J'ai découvert ce lieu assez par hasard, même si c'est pas vraiment un hasard que je me sois trouvée en Allemagne, puisque je suis chercheuse, notamment en littérature germanique. Et c'est à l'occasion d'une conversation vraiment anodine. Moi, à l'époque, je travaillais sur les déchets et sur une histoire de grande décharge qui était réhabilitée, transformée en parc. C'était mon précédent livre. Et en discutant, une personne me parle de la région d'Allemagne de l'Est, où elle a grandi, et me dit que dans sa région, les mines à ciel ouvert qui ne sont plus exploitées sont transformées en lacs le plus souvent. Et ce que ça a réveillé en moi, déjà, ça a suscité une immense curiosité. Parce que je me suis dit, comment est-ce qu'on transforme un trou, un cratère, en lac? Et je pense aussi que ça m'a permis de poursuivre cet intérêt sur la question de la mutation des lieux, des mutations environnementales et de ce qui se passe après. Ce qui se passe après la décharge. Et puis là, précisément, ce qui se passe après l'extraction. Dans cette région, les gens ont lutté pour sauver leur village qui était menacé par le cratère de cette mine qui avançait. Et c'est une lutte qui s'est passée, que je raconte en deux époques, avant la chute du mur. Donc en Allemagne de l'Est, où il y avait peu d'espoir de pouvoir vraiment faire valoir son opinion. Et puis après la chute du mur, où là, l'entrée en démocratie a suscité un immense espoir. Les gens ont vraiment pensé, maintenant, on a des droits, on est en démocratie, on va pouvoir faire valoir nos droits. Et j'ai trouvé un lieu, précisément, qui a archivé cette lutte. Ça s'appelle, il a un nom assez fou, c'est l'archive des villages disparus. Donc c'est un centre de documentation qui se trouve dans l'un des villages qui a été reconstruit après destruction. Et dans cette archive, j'ai à la fois pu lire beaucoup de témoignages de ces luttes et aussi pu entendre des personnes, puisqu'il y a des enregistrements qui ont été faits. Donc moi, ma matière, c'est cette parole qui a été archivée, que ce soit une parole orale ou une parole écrite. Et ensuite, mon travail, c'est d'essayer de faire entendre, donc à la fois par la traduction, c'est la première étape, puisque ça se passe en Allemagne, et ensuite par le tissage, de faire entendre des voix plurielles de ceux qui ont lutté, de ceux qui ne pouvaient pas se résoudre à quitter leur maison, de ceux qui, à un moment donné, font une espèce de visite étrange en Allemagne de l'Ouest pour aller voir ce que c'est qu'un village reconstruit, un village neuf, et qui en reviennent avec le désir encore plus fort de lutter pour sauver leur village, parce qu'ils ne veulent pas de nouveaux villages, ils veulent sauver leur village à eux. La mer intérieure, effectivement, c'est une des manières dont on peut traduire le nom que portera le lac artificiel, qui est appelé à voir le jour dans cette région, qui doit être un immense lac si on parvient à le remplir, parce qu'il y a aussi cette question, il y a à la fois la question de l'enjeu énergétique, mais aussi la question de l'eau. Dans une région où il y a de plus en plus de sécheresse. Donc c'était le titre d'un de mes chapitres. Et il est apparu effectivement que, comme dans ce récit, je parle aussi d'un deuil, d'une perte qui m'a touchée, la mort de ma mère quand j'avais moi-même 18 ans, donc quand j'étais assez jeune, on peut effectivement entendre ici les résonances de cette perte plus personnelle et plus intime que j'inscris dans mon récit. Si je l'inscris dans mon récit, c'est parce que d'abord c'est venu comme ça à l'écriture, et j'ai choisi de le laisser dans le texte parce que ce livre, c'est à la fois un récit documentaire, donc qui raconte ses luttes de manière assez fouillée et détaillée, mais c'est aussi une réflexion sur ce qui est irremplaçable, sur les pertes qui ne se laissent pas compenser, et sur la question de savoir comment on vit après de telles pertes. Et c'est comme ça que le récit intime ou la note intime fait résonner aussi ses échos dans le récit documentaire. Pour moi, c'est pas simplement ces histoires-là, c'est pas juste des histoires de gestion de l'énergie ou de gestion de l'eau.
c'est aussi des histoires qui touchent les gens sur place. Et moi, je viens d'assez loin. C'est très loin pour moi, même culturellement, l'Allemagne de l'Est, ces villages. Mais je pense que j'ai besoin de faire résonner les choses et de faire comprendre que proposer une compensation pour ces pertes, comme le fait la compagnie minière, ça a quelque chose d'indécent. En fait, à la fois, j'ai le souci de raconter de manière précise ce qui se passe dans ce lieu sur un laps de temps donné, mais j'ai aussi le souci de montrer à quel point ces histoires disent quelque chose de notre contemporain. Et ça dit plein de choses de notre contemporain, parce que c'est à la fois une lutte perdue, mais où tous les moyens juridiques ont été épuisés, mais où on a l'impression qu'il y a une espèce d'impunité de la compagnie minière face à ces villageois. Et c'est aussi une histoire de destruction qu'on se propose de compenser. Et moi, ça me tenait à cœur, voilà, de réfléchir sur ce que ça signifie, cette pratique de la compensation, qui est en fait une espèce de blanc-seing pour toutes les destructions. On peut se dire, c'est bien naturel, quand on va, si on détruit des villages ou si on détruit des habitats naturels, on propose une compensation écologique ou on propose de l'argent pour reconstruire un village beaucoup plus beau, pas très loin. Mais en réalité, il y a une indécence morale assez profonde à proposer de compenser une perte aussi importante. Et puis, ça veut dire qu'à partir du moment où on dit, on compensera, on a une espèce d'autorisation à détruire.